ça me parle, tu vois, de la musique, c'est la vibe, pas forcément magique, tu vois, que ce soit reggae, hip-hop, ou n'importe quel style, et ça me parle, en fait, voilà, tout peut venir. Mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de projets, il y a beaucoup de projets, sur le prochain album de toi, Thierry, si tu vas sortir. C'est l'an, yes. Qui était là, vendredi, au revoir. Oui, qui m'a passé hier, avant, oui, au soir. Et vendredi, avec Dana Kip, surtout. Ouais, qui a fait freestyle avec eux, Big Up 20 et Audi, c'est la famille. Exactement, des bons gars. Absolument pour toi là-dessus. Et ben moi je viens de sortir un EP qui s'appelle Vestige. C'est les vestiges d'un projet qui s'est mal déroulé, mais j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. L'essentiel c'est qu'on ait sorti un truc, tu vois. Et donc voilà, il y a 5 tracks dessus. Et puis on a aussi pas mal de projets de singles en fait qui vont sortir en septembre. Notamment un featuring avec un rappeur américain qui s'appelle Yahweh, et ça va sortir sur un EP sur lequel il y aura aussi Big Red et Marie Mappy chez Astrodot. Bim bim bim, ça va être beau. C'est bon. L'émission extérieure. Une conférence de presse, on serait pas eu s'il n'y a pas une petite question qui traîne. On a quand même Kika qui est ici et qui a envie de nous poser une question. Il nous reste exactement 3 minutes, Kika. Il va falloir faire un peu rapide à se faire. On fait vite. Salut Arsène. Salut. Salut Fatbox. Bonjour. Salut. Kika, donc pour Ode Radio. Première question déjà, pourquoi Daily Jam et pourquoi aimer à côté de Daily Jam? Pourquoi un titre en anglais et pourquoi aimer en français? Alors Daily Jam parce que ça représente toute ma vie. Le Daily Jam en fait c'est lyricalement la confiture quotidienne et aussi le jam comme tu connais la musique. Ouais. Et je trouve que la vie, si on arrive à ouvrir les yeux assez grands, ce qui n'est pas toujours facile avec cette vie qui va à 100 à l'heure, tu vois, si tu regardes, l'aspiration elle est partout. Et donc là, tous les jours on nous donne des choses pour pouvoir créer la musique. Et voilà, mon Daily Jam, moi c'est d'essayer de capter et de retranscrire ça. C'est ta petite confiture à toi quotidienne. Voilà, exactement. Et aimer, c'est parce que ma confiture en ce moment, bah, c'est mon fils. Donc, du coup, c'est jam, l'amour de ta vie. C'est l'amour. Et ouais, félicitations. Merci. Voilà. La rencontre avec Absalem pour le titre Playground qui est à côté de toi, donc qu'est-ce que tu peux nous en parler? Alors, bah, la rencontre. Non, on a déjà touché deux mots, mais je voulais juste dire que par rapport à ça, c'est bien que t'en parles, parce que je suis archi fier de pouvoir être là avec les frérots, le Playground. C'est exactement pour ça qu'on a fait ça, c'est pour promouvoir le reggae, promouvoir des artistes et essayer de faire que, de recréer un renouvellement comme nous, on nous a offert. Quand on a commencé avec Naman, on a beaucoup ouvert de portes, des gars comme Toby, il y a plein de monde, des gars comme Similia qui nous ont beaucoup aidé. Et je considère qu'à notre tour, si on peut, avec nos petits moyens, refaire la même chose que nous, on a profité. Ben, c'est un cycle qu'il faut que les gens perdurent parce que c'est essentiel dans la musique de partager. Il ne faut pas avoir son petit nombril et se dire tiens, je vais faire mon truc, tout casser. Et puis voilà. Non, ce qu'il faut, c'est partager parce que si t'es là, c'est parce qu'il y a d'autres qui étaient là. Merci pour tes questions. Et merci à vous, les gars. On va avoir un petit mot de la fin. Oui, on arrive à la fin. Oui, voilà, je ne sais pas si vous avez un message à faire passer, quelque chose, est-ce que vous avez déjà joué au Saskia, mais du coup vous êtes content d'y revenir. Bah, big up reggae, la réponse, big up le Saskia, c'est une vraie opportunité, vraiment, je suis vraiment reconnaissant d'être ici, donc c'est que du love. Ouais, merci à toi, à reggae.fr, à reggae Saskia qui participe, comme tu dis, il y a 10 ans on a joué là, ça a tout changé pour nous. C'est merci à tous les activistes qui soutiennent, pour toutes les interviews, tout ce que vous partagez notre musique. Vraiment. Merci. Et surtout merci à tous les gens qui nous soutiennent énormément, qui achètent des disques, qui sont avec nous et qui n'attendent pas la radio, quoi que ce soit, pour nous connaître. Après, pour ça. Yes, bah, big up, en tout cas, franchement, c'est une opportunité de malade de pouvoir partager ma musique sur une scène comme ça ce soir. Et on va tout retourner quoi. Alors, petite assemblée, mais un peu d'applaudissements pour Fatbaz, Absalem et Abouda. Merci à vous les gars, on vous fait plein de belles choses, vous passez tout à l'heure, et respectivement plein de belles choses pour vous, pour ce qui vous attend. Et n'oubliez pas de passer un petit bonjour à Martin. Allez, merci les gars, on vous propose la musique sur la web Radio-Trigger.fr avant d'accueillir Naman dans quelques minutes. Qui nous manque, Naman ?